Bonjour, aujourd'hui, les toilettes de l'enfer. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Suite à une instabilité émotionnelle, une femme de Singapour est restée enfermée dans ses toilettes pendant 902 jours. Tout de suite, rejoignons notre correspondant Jean-Marie Smicard. Jean-Marie, où êtes-vous ? Là, les gars, moi, je suis à Skiato City, hein. Et je peux te dire que c'est pas Tahiti, hein, le bled, hein. Oh ben non, alors, hein. Mais bon, je te confirme l'info quand même, hein. La nana a bien joué les prolongations dans les latrines pendant près de 3 ans. Ah ben, enfin, cela dit, les gars, elle n'a connu qu'une seule mauvaise surprise, hein. Quoi donc ? Bah, sa facture d'eau, hein. Ah bah oui, parce que pour le reste, walou, hein. Ah, cela dit, dans le concours de chieuses à la maison, elle a explosé tous les records, la gueuse. Eh bien, Jean-Marie, merci d'avoir validé l'info pour le BVI. Bah, y a pas de mal, hein. Remarque, c'est normal, hein. C'était les toilettes femmes. Et alors ? Bah, y a pas de mal dans les toilettes femmes. Oh putain, elle est bonne celle-là, je vais la replacer, note. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.